beau matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce jeudi 26 octobre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, nous allons dire trois fois cette phrase. J'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que je nourrirai le plus. J'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que je nourrirai le plus. J'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que je nourrirai le plus. Aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé « Transmute tes épreuves ». C'est le sixième chakra. Et le sixième chakra, eh bien, c'est le chakra du troisième œil. C'est la couleur indigo et son emplacement est sur le front entre les deux sourcils. Et par ce chakra, eh bien, c'est le réveil de votre conscience individualisée et il est le lien entre votre conscience supérieure et votre ego. Plus ce chakra est ouvert, plus il est facile de combattre les pensées limitantes émises par votre mental et programmées par les jugements et préjugés, car vous avez conscience d'être bien plus qu'un corps physique animé de pensées et d'émotions. Et cette perception de vos ressentis s'affine. Votre intuition, elle s'aiguise, la clairvoyance est de mise et les idées émises se réalisent dans le monde extérieur. Et votre vision va au-delà des apparences et se concentre davantage sur les perceptions intérieures que les choses superficielles de l'existence. Ce chakra qui est mal aligné, si l'énergie eh bien, circule mal dans ce chakra, pour certains d'entre vous, eh bien, vous n'acceptez que les pensées rationnelles et avez tendance à nier la notion de spiritualité dans votre vie. Vous n'avez aucune conscience de l'esprit illimité, que vous êtes à la base et de vos multiples ressources, et vous vous assimilez à votre personnalité. Pourtant, simple costume sur la scène théâtrale de l'existence de votre âme. Transmute tes épreuves. Alors, en métallurgie, n'est-ce pas, transmuter, eh bien, signifie changer une matière vulgaire en un métal noble. Par l'alchimie, et les épreuves, aussi difficiles soient-elles, eh bien, peuvent être comparées à une matière vulgaire que l'alchimie de l'enseignement transforme en expérience enrichissante. Alors, rien ni personne ne peut t'abattre si tu choisis le camp de ceux qui vivent leur vie en conscience. C'est-à-dire, eh bien, chaque chose a sa raison d'être sur le chemin de ton existence. Ne l'oublie jamais, en bien ou en mal. Tu es le seul capable d'en lire le message codé et de choisir de ne pas comprendre, d'accuser l'univers, de t'écrouler et de résoudre à la fatalité, au risque, eh bien, de provoquer la récidive de l'épreuve, ou bien au contraire, d'accepter ce qui est et surpasser
le pire pour te rapprocher de la liberté. Tu es seul maître à bord, n'est-ce pas? Dans le deuxième cas, une alchimie s'opère et c'est le meilleur moyen de précipiter ta récompense. Et en fait, il y a une solution, n'est-ce pas, dans le chakra qui est mal aligné, ce chakra du troisième œil. Et la solution, elle est de maîtriser et équilibrer les cinq premiers chakras pour parvenir à l'ouverture du troisième œil et se mettre ainsi à l'écoute de sa voix intérieure qui vous guidera pour tout. Alors, il faut équilibrer le premier chakra, le chakra racine, n'est-ce pas? Il faut équilibrer le deuxième chakra sacré, le troisième chakra, le chakra, le plexus solaire, pour arriver au chakra du cœur. Donc bien aligné, bien... Et le chakra de la gorge aussi, hein, le cinquième chakra. Donc remettre un peu de l'ordre dans tout ça. C'est un travail, mais oui, c'est un travail. Hein. Et c'est quoi s'autoriser à être soi? C'est aussi un travail, n'est-ce pas? C'est un travail que vous devez faire sur vous-même. Alors, il est peut-être temps aujourd'hui d'arrêter d'accuser les autres et d'accepter cette part d'ombre que vous avez en vous. Ne croyez-vous pas? Acceptez cette part d'ombre, la mettre en lumière au lieu d'accuser l'univers, d'accuser les autres. Très 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 beau message, n'est-ce pas encore, pour aujourd'hui. Je termine avec ne plus avoir peur. J'arrête de m'identifier complètement à mes actes. Je ne suis pas ce que je fais. La peur d'agir est souvent liée à la peur d'échouer. L'échec fait partie de la vie. Il concerne toujours une situation précise et non la totalité de notre être. Il est évident que dans tout ce que nous allons apprendre, nous allons rencontrer des obstacles, des échecs, mais c'est un échec en lui-même. Mais en somme, ce n'est pas un échec parce que nous avons appris de cette expérience. Donc, nous sommes ici venus sur Terre pour apprendre. Et ce sont des enseignements que nous apprenons. Merci l'univers. Et puis je vous souhaite une excellente journée dans l'amour, hein, la tolérance, la bienveillance. Et remercions l'univers pour tout ce que nous avons, n'est-ce pas? Et de tout ce que nous n'avons pas, parce que ce que nous n'avons pas, c'est que cela n'est pas nécessaire. Allez, on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous embrasse. À demain.